Nous aurions dû nous rencontrer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et si cela s'était produit, nous serions des amis maintenant. Peut-être, oui. Mais le hasard a fait que cela ne s'est pas produit. Je ne crois pas tellement aux chances du hasard quant à moi. Mais cette fois-là, il y a 10 ans, si je me souviens bien, rien n'a dû arriver, n'est-ce pas? Je veux dire, rien d'assez frappant, d'assez déterminant pour rendre un certain avenir commun inévitable. Vous ne croyez pas? Je le crois. Nous étions très jeunes. Il n'y a plus personne dans le château. Non, tout le monde est parti. Je me sens coupable de vous avoir fait revenir ici pour moi seul. Non, ne le soyez pas. Ne vous sentez pas coupable. J'étais venu fermer les portes et j'ai entendu votre pas. Il y a encore de la lumière dans le ciel. Regardez. Dans la pièce d'eau, le coucher du soleil. Les jours sont encore longs, c'est beau. Vous avez de la chance d'habiter un endroit pareil. Sans doute. Mais vous savez, je ne suis pas ici chez moi. C'est un peu différent. Les arbres sont immenses le long de l'allée principale. Et les statues des femmes sont très belles. Comme tout un peuple. Quand même, je crois que vous avez une certaine chance d'être là. Peut-être ne le savez-vous pas vous-même. Peut-être. Écoutez-moi. En Italie, lorsque nous nous sommes rencontrés, vous m'avez dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ça m'étonnerait. Je ne suis pas ce qu'on appelle un brillant causeur. Quelque chose qui m'a fait penser à vous très souvent depuis, et qui a fait que moi, je ne vous ai pas oublié. Oui, il faisait très chaud, et pour échapper à la chaleur, nous avons loué un bateau. Nous avons traversé la baie de Naples jusqu'à Sorrento. C'était pendant le retour à Naples. Nous étions assis, seuls, à l'arrière du bateau. À cette heure-là, le soir venu, il faisait presque frais. Et vous m'avez dit quelque chose de votre vie. Mais sans doute avez-vous oublié cela aussi avec le reste. Qui sait? Une chose que je vous aurais dite à l'arrière du bateau en revenant de Naples. Pourtant je me souviens de toute cette journée, il me semble, de cette chaleur, de ce bateau. De la côte de Sorrento. Je ne suis pas sûre si je dois désirer que vous vous souveniez. C'est quand même une responsabilité très grave que de ramener tout à coup quelqu'un en face de ce qu'il était 10 ans auparavant. Si vous aviez changé, si depuis vous vous étiez éloigné de ce que vous étiez alors, ça serait terrible. Non, non. J'accepterais au contraire d'autant plus facilement d'apprendre qui j'étais. D'ailleurs, vous savez... Il se peut que je sois toujours le même.